Alors, il va y avoir beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle dans la production créative dans les années qui viennent, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, de l'audio, de la musique, etc., qui va donner un pouvoir de création à beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement très entraînés en fait pour les techniques. Et donc ça va démocratiser un petit peu la création artistique. Par ailleurs, d'autres types de création également. Par contre, il ne faut pas se tromper, c'est que les systèmes actuels de production de texte, de compréhension de texte, de dialogue sont en fait très très limités et sont très très loin d'atteindre le niveau d'intelligence qu'on observe chez les humains et même chez les animaux. On est un petit peu trompé par leur capacité linguistique, mais ces systèmes n'ont pas de compréhension du monde sous-jacent. Donc, avant qu'on ait des systèmes qui soient un petit peu équivalents à l'intelligence humaine, ça va prendre des années, peut-être des décennies. Le progrès de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, se produit parce que la recherche est dans une grande mesure ouverte, c'est-à-dire que les grands laboratoires qui travaillent là-dessus, qu'ils soient industriels ou académiques, publient leurs résultats, publient leurs programmes, leurs codes en open source, et ça fait que le progrès s'accélère. Donc on construit, tous les labos construisent en fait sur les résultats d'autres labos. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT, mais ChatGPT se construit sur des inventions qui ont été produites à Google, à DeepMind, à FAIR, donc le laboratoire d'intelligence artificielle que j'ai créé à Meta, et puis des travaux universitaires. Pour que la recherche universitaire puisse progresser dans tous les pays, y compris le Maroc, il faut en fait donner des moyens de calcul. Qui serait disponible pour les chercheurs et les étudiants qui travaillent dans le domaine. Parce que pour l'instant, en fait, ces moyens de calcul sont seulement disponibles dans les grands laboratoires industriels. Donc ce serait important pour les gouvernements de donner des moyens de calcul importants en fait, aux chercheurs. Les applications de l'IA en fait sont extrêmement diverses. Les économistes pensent que l'IA est une technique un petit peu d'utilisation générale, donc qui va se disséminer dans tous les coins de l'économie dans les années qui viennent, et qui va produire une augmentation de la productivité en fait des travailleurs, qui va créer de nouveaux métiers, qui va en faire disparaître d'autres, hein, comme toute technologie. Et le but d'une réunion comme celle d'aujourd'hui, en fait la raison pour laquelle je viens, c'est d'inspirer les jeunes de se lancer dans la recherche, la science, les sciences de l'ingénieur, les applications, créer de nouvelles entreprises et puis découvrir des nouvelles applications dont on n'aurait même pas eu idée en fait, de ces technologies qui pourraient aider l'économie et puis les gens dans leur vie de tous les jours, ici au Maroc, en Afrique plus généralement, dans le monde entier. Les clés de la réussite pour une initiative nationale ou internationale pour focaliser la recherche en IA nécessitent par exemple des moyens de calcul, c'est-à-dire c'est très important d'avoir accès à des superordinateurs dédiés à l'intelligence artificielle à base de GPU, enfin des systèmes qui sont disponibles dans les laboratoires industriels, dans certaines grandes universités américaines. Il y a des initiatives dans plusieurs pays, en fait, nationales, de créer des superordinateurs disponibles pour les chercheurs, les étudiants, les doctorants, etc. Donc ça, c'est une condition nécessaire. Et puis ensuite, un espèce de cercle vertueux entre la recherche publique, les universités, les écoles d'ingénieurs et le monde de l'entreprise. Alors pas seulement les grandes entreprises qui bien sûr peuvent tirer parti de résultats de recherche, mais aussi les startups qui en fait sont en général plus rapides à apporter des produits
sur le marché à partir de technologies inventées dans la recherche publique ou dans les universités, etc. C'est très difficile de faire de la recherche fondamentale dans une start-up, mais par contre, appliquer de la recherche qui a été faite dans une université, une école d'ingénieurs, la recherche publique, c'est le rôle des entreprises. Donc faciliter en fait ce transfert, essayer d'éliminer les barrières pour permettre aux jeunes entrepreneurs de faire fructifier les idées. Malgré ce qu'on entend sur la tech, les mauvaises nouvelles qu'on entend sur l'industrie de la technologie, il y a en fait une croissance de l'investissement des grandes compagnies de la technologie dans la recherche et le développement d'intelligence artificielle et une accélération des progrès. On ne le réalise pas tout de suite parce que c'est un petit peu derrière le rideau, mais Meta, Google, Amazon, etc. utilisent de l'intelligence artificielle, le deep learning, etc., à très très grande échelle, pour faire de la modération de contenu, pour faire de l'ordonnancement de résultats de recherche, de newsfeed sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est utilisé absolument partout aujourd'hui, à très très grande échelle, et ça va être utilisé encore plus maintenant pour les outils d'aide à la création, et puis dans le futur plus ou moins lointain, pour des systèmes en fait, qui seront des assistants virtuels auxquels tout le monde aura accès, qui au départ peut-être vivront dans nos smartphones, mais qui tôt ou tard en fait, seront accessibles à travers des lunettes de réalité augmentée. Donc des lunettes qui superposeront de l'information sur le monde réel, avec lequel on pourra interagir par la voix ou par d'autres moyens, et qui nous aideront dans notre vie tous les jours, à la manière d'un assistant humain ou d'un espèce de chief of staff, si vous voulez, une personne qui s'occupera de toutes les choses dont on ne veut pas s'occuper au jour le jour et qui nous prenne du temps et de l'énergie. Et ces systèmes, en fait, seront un intermédiaire à toutes nos interactions avec le monde numérique et puis avec les uns les autres, c'est-à-dire qui vont connecter les gens ensemble. Donc, à terme, je pense, des choses comme les moteurs de recherche, les algorithmes de ranking pour les sites de commerce électronique ou les réseaux sociaux, en fait, sont probablement appelés à disparaître parce que toutes nos interactions avec le monde numérique seront par l'intermédiaire de ces assistants virtuels. Alors, plus concrètement, à l'heure actuelle, il y a des systèmes dans les labos de Meta sur des systèmes de dialogue dont certains sont open source, certains ont été mis à disponibilité du public il y a depuis plusieurs années déjà en fait, c'est un sujet assez actif. Beaucoup de projets sur ce qu'on appelle l'IA générative, donc pour produire des images, des vidéos, des stickers, des effets, etc., décrits par le texte ou par la voix. Beaucoup de projets en traduction, bien sûr, traduction même, y compris de dialectes pour lesquels il n'y a pas de version écrite, c'est-à-dire des systèmes de traduction qui traduisent directement de la parole à la parole sans passer par le texte, pour des langages pour lesquels il n'y a pas de texte, il n'y a pas de manière de les écrire. D'énormes projets en fait, plus fondamentaux sur comment pousser les recherches en intelligence artificielle pour arriver à des systèmes qui puissent acquérir un certain sens commun et qui puissent approcher au départ peut-être l'intelligence des animaux comme les chiens et les chats et puis dans un futur plus lointain l'intelligence humaine. Il ne fait aucun doute qu'à terme, ça va peut-être prendre du temps, mais à terme, les systèmes intelligents, le système d'IA seront aussi intelligents, sinon plus que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents. Et ça va multiplier en fait notre intelligence, ça va l'amplifier à la manière de tous les outils technologiques qui amplifient nos capacités. Et c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur.